Parlons du modèle le plus important, dissecté, le Breaker Block. Alors oui, pour la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est et à quoi il ressemble. Pourtant, j'ai remarqué qu'il s'agit de l'élément qui pose le plus de problèmes. Après avoir effectué 3 bootcamps étalés sur plusieurs mois, la même question revenait en boucle. Peux-tu me confirmer qu'il s'agit bien d'un breaker? Et c'est normal, vous avez probablement peur de vous tromper. Vous voyez des Breaker Blocks partout et vous ne savez pas lequel est le bon, ou alors vous l'en voyez nulle part et vous ne comprenez pas pourquoi. Lorsque vous pensez avoir trouvé un bon breaker, celui-ci ne fonctionne pas et se fait casser. Bref, je sens que vous avez besoin de plus d'informations. Et ça tombe bien, c'est le but de cette vidéo. Commençons par un petit rappel. Qu'est-ce qu'un breaker block exactement? Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un marché plutôt baissier à court terme. De ce fait, nous avons cette première chute qui va donc dans la continuité du marché. Ensuite, le marché retrace et corrige potentiellement les imbalances qu'il a laissées durant cette chute. Le marché rechute une nouvelle fois en venant complètement effacer la liquidité de cet ancien lot. Puis, par la suite, le marché remonte et vient casser à son tour l'ancien high créé juste avant. Jusqu'ici, rien de surprenant, vous connaissez. Nous voyons cela tous les jours sur le marché. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Un market structure shift. On casse en bas, puis on casse en haut. Si l'on en suit la vidéo que j'ai fait sur le market structure shift, nous avons donc bien le displacement high ici et le displacement low ici. Mais dans tout ça, où se trouve mon breaker block à ce niveau? À la cassure, d'où le nom breaker block, de ce high qui vient donc changer la structure du marché baissier que nous avions. À ce moment, nous ne sommes plus baissiers, mais haussiers. Et c'est pour cela que cette cassure ici s'appelle un breaker block haussier. Bon, et je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que ce que je viens de vous montrer là, c'est exactement la même chose à la baisse. On est haussier à court terme, on crée ce high qui vient se faire liquider par cette hausse, le marché chute brusquement, créant une cassure de la structure de marché. Nous avons donc notre market structure shift, displacement low ici et displacement high ici. Et notre breaker block baissier à ce niveau, à la cassure du low. Jusqu'ici, rien de compliqué, rien de nouveau, c'est ce que l'on voit tout le temps. Bon, pour les débutants, ça va déjà aider. Sachez que toutes les notes de cette vidéo sont disponibles en description. Maintenant, comment pouvons-nous optimiser cela pour ne sélectionner que le breaker block intéressant? Ou en tout cas, ceux qui ont le plus de potentiel de réussite. Pour cela, on va regarder plus en détail ce qu'il se passe réellement sur un breaker block. Lorsqu'un breaker se produit, nous avons trois zones, la zone A, la zone B et la zone C. Dans la zone A, on retrouve notre première montée qui va dans la continuité du marché qui nous crée notre premier high. Et nous avons aussi ce petit retracement qui a toute son importance car c'est cette zone qui va créer le breaker. Pourquoi le marché crée ce petit retracement? Tout simplement pour corriger la hausse qu'il vient de faire. Ensuite, dans notre zone B, nous avons ce qu'on appelle la manipulation. Pourquoi? Car le marché vient prendre toute la liquidité restante, notamment sur ce high de la zone A, où se trouvent les stops des vendeurs. Mais pas seulement, nous avons aussi les stops des acheteurs, ici, sur le low de la zone A. Les retails vont se positionner en achat sur le retracement pour ne pas louper la hausse du marché. Et évidemment, dans la manipulation, le marché viendra également prendre ses stops avec cette chute brutale. On vient donc prendre toute la liquidité des deux côtés pour repartir et créer le vrai mouvement. Et la zone C, c'est la zone où le marché réalise le vrai mouvement, et c'est donc dans cette zone que l'on prend notre trade. Maintenant que nous avons ces zones en tête, voyons comment nous pouvons prendre le trade. Avant, sachez que cette vidéo a demandé plus de 10 heures de travail. Vous voyez, on n'est pas juste sur les graphes à parler dans le vide. Alors si ce style vous plaît, vous pouvez vous abonner pour que l'algorithme vous propose automatiquement nos autres vidéos. Pour prendre le trade, en soi, ce n'est pas bien compliqué. Nous avons cassé la structure, il nous suffit donc d'attendre un retour sur le breaker block pour entrer en position. Ça, c'est le scénario idéal. Pour autant, vous verrez souvent ça, ça ou encore ça. Concrètement, le marché ne s'arrête pas pile sur le breaker. Il peut aller un peu au-dessus et même parfois dépasser le displacement high. Pourquoi? Car le marché cherche à fermer ses ordres d'achat pour créer cette chute avant de repartir. Et souvent, vous remarquerez aussi que des FVG se créent durant cette chute. Le marché vient donc les mitiguer pour ne pas laisser de déséquilibre. Voilà donc les raisons qui poussent le marché à ne pas revenir pile sur le breaker. Mais alors, la question que vous devez vous poser, c'est « Ok, je sais repérer un breaker, je sais à quel moment il faut le prendre, mais comment faire pour être sûr de ne pas se faire piéger et donc de me faire sortir s'il ne revient pas pile sur le breaker ?» Personnellement, j'utilise la zone du market structure shift. Dans la vidéo qui parle de ce sujet, ICT explique qu'il faut chercher une entrée entre le displacement high et le displacement low. Alors, on applique la même chose ici.
on attend un retour dans la zone à un endroit où l'opportunité d'achat est la plus optimale, notamment sur un fair value gap. On attend que le marché revienne mitiguer le dernier FVG pour prendre position. Grâce à ça, votre point d'entrée est optimal, donc vous aurez un stop loss très petit, ce qui veut aussi dire un plus gros risk reward. Mais attention, ce que je vous explique là n'est pas magique. Il faut savoir respecter quelques règles pour maximiser vos chances de réussite. La première est de ne prendre que les breaker blocks qui sont dans votre biais de la journée et de la semaine, et donc appliquer ça avec le concept de Power of 3 qu'on a déjà vu dans une des précédentes vidéos. Également, avoir un plan de trading strict, peu importe la situation. Par exemple, dans mon plan de trading, il est indiqué qu'un breaker doit casser le marché en bas, puis en haut dans le cas d'un marché haussier et inversement dans le cas d'un marché baissier. Un breaker doit obligatoirement casser par le bas avec au minimum une mèche et par le haut avec le corps de la bougie et encore une fois inversement pour le breaker dans l'autre sens. Un breaker doit réaliser aussi au minimum un fair value gap lors de sa hausse brutale ou de sa baisse dans le cas d'un breaker baissier. Si je n'ai pas ça au minimum, je ne le prends pas en compte. C'est aussi simple que ça. Je vois trop souvent des membres m'envoyer des messages en pensant que les breakers sont valides alors qu'ils ne le sont pas, juste parce que le marché a cassé en bas puis en haut. Mais ça ne suffit pas, et vous en avez la preuve aujourd'hui. Encore une fois, ici, je vous ai montré le scénario qui se passe dans le meilleur des cas. Mais il est aussi possible que vous repériez un breaker, puis que celui-ci ne soit plus valide car le marché est parti sans même revenir combler les fair value gap. C'est rare, mais ça arrive. Et ne soyez pas déçu de vous en pensant avoir raté un trade, non. Vous n'avez pas raté un trade, vous avez évité une perte. Vous avez respecté votre plan. Vous le savez, pour ceux qui ont rejoint les différents bootcamps, je vous partageais différents exercices. Et justement, j'ai un petit exercice pour vous. Vous voyez ce graphique? Nous avons bien un breaker block. Le plan est respecté, pourtant la personne a fait une erreur. Je vous laisse quelques secondes pour la trouver. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous le souhaitez. Alors, vous la voyez? En fait, c'est peut-être l'erreur que j'ai vue le plus revenir durant tous ces mois de bootcamp. La personne, ici dans l'exemple, a tout simplement pris un trade sur un breaker block qui a déjà eu lieu. Par conséquent, il n'est plus valide. Nous sommes déjà revenu sur Breaker Block, nous avons déjà fermé les fair value gap restants, l'opportunité est déjà passée, et c'est pas grave, il y en aura d'autres. Alors oui, vous pouvez rajouter ça dans votre plan de trading. Ne jamais prendre un trade sur un Breaker Block qui a déjà été validé et où nous sommes déjà revenus dedans, en tout cas au début. Encore une fois, sachez que toutes les notes de cette vidéo sont disponibles en description sur le Telegram. Et cliquez sur le bouton s'abonner maintenant pour que l'algorithme vous montre les prochaines vidéos.